Salut à tous, vous êtes là? Je vous avais pas vu. J'étais en train de me remater une petite série. Vous aimez, vous, les séries? Les séries Netflix, les séries Prime Video? Vous aimez aller au cinéma? Vous aimez cet univers du cinéma où on vous raconte des histoires que vous n'avez jamais vécues? Mais moi, j'adore ça. Je suis même, je pourrais dire, passionné de cinéma à ce jour. J'adore tout ce qui est écriture de scénario, jeu d'acteurs intéressants. J'adore être surpris. J'adore vivre des aventures à travers ces films et à travers ces séries. Eh bien, vous le savez peut-être pas, mais vous pouvez en trouver sur la chaîne. Beaucoup d'entre vous sont arrivés sur la chaîne grâce aux tutos qui ont pour but de vous aider et se sont abonnés. Et je vous en remercie, mais le plus possible. Mais il faut savoir que vous pouvez trouver aussi des formats originaux sur la chaîne et beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Pour ceux qui le savent déjà, et si vous n'avez pas vu ces vidéos, c'est un crime. Voilà, si vous voulez me soutenir, eh bien, il faut exploser ces formats-là, car aujourd'hui, c'est ce qui me fait le plus vibrer, c'est ce qui me régale, c'est ce qui m'éclate, c'est vous faire des vidéos scénarisées. J'adore vous faire des tutos, parce que j'aime vous aider, j'aime partager tout ça avec vous, et c'est le but de la chaîne, c'est du partage. Et vous allez voir que cette web-série, cette série que je vous propose, c'est une série que je partage avec vous, car c'est grâce à vous qu'elle est construite. On va aller voir sur la chaîne Pas que moi gaming et on va regarder sur la page d'accueil. Lorsque l'on arrive sur la page d'accueil, vous pouvez le voir déjà dès le début, il y a une petite section avec écrit qu'il y a des courts-métrages sur la chaîne. Mais peut-être vous l'avez vu, peut-être vous ne l'avez pas vu, peut-être que vous êtes sur la version mobile et que c'est plus difficile. Mais comment faire pour trouver ces vidéos? Parce que on a envie de t'apporter du soutien, pas que moi. Et on a envie de voir ces créations originales que tu as faites parce que ça nous intrigue et qu'on aime l'univers du cinéma. Eh bien, on scrolle un tout petit peu, et on descend et vous avez une section sur la page d'accueil, court-métrage et scénario. Je l'avais pas vu! Eh oui. Et si vous regardez les trois premiers, c'est marqué que c'est des épisodes de la FAQ. Alors, la FAQ, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, mais je sais ce que c'est la FAQ. La FAQ, c'est tout simplement une foire aux questions. On te pose des questions et tu y réponds. Sauf que moi, je suis pas comme les autres. Moi, j'ai besoin d'être créatif. Et j'ai besoin de vous pour pouvoir l'être. Et cette FAQ, en fait, je vous réponds aux questions sous forme d'un court-métrage, d'une petite série. C'est une web-série et les épisodes se suivent. L'histoire, c'est l'histoire du personnage de Pas que moi. Et il lui arrive des aventures incroyables. Sur les trois épisodes, l'aventure continue. Chaque épisode prend la suite exacte de là où l'épisode précédent se termine. Et ces vidéos-là, ce sont... Hop, on va couper le son. Ces épisodes sont des créations originales. Ce sont des choses que j'ai imaginées grâce à vos questions. Et toutes les réponses sont dans les épisodes. Ce que vous voyez derrière, là, ce ne sont pas des réponses, mais ce sont des questions. Toutes les questions sont répondues sous forme du scénario. Alors, je ne veux pas vous spoiler les aventures, parce que c'est quelque chose que vous devez vivre. C'est quelque chose que vous devez découvrir. Et si je vous spoile l'aventure, si vous ne l'avez pas vu, eh bien, c'est quelque chose qui va être gâché pour vous. Récemment, sur la chaîne, j'ai sorti, il y a, vous pouvez voir, seulement 10 jours, j'ai sorti l'épisode 3, la suite de l'aventure, qui, encore une fois, répond aux questions d'une FAQ. Mais attention, par exemple, dans cet épisode-là, vous avez les questions qui ont été posées, qui se trouvent dans la description. Donc, si vous voulez trouver les réponses, vous pouvez même venir lire les questions d'abord. Et après, lorsque vous allez regarder les épisodes, vous allez pouvoir chercher les réponses à ces questions-là dans le scénario. Parce que je ne vais pas vous regarder à l'écran et vous dire, bon ben voilà, pour la question que tu m'as dit, quel est mon jeu favori? Eh ben voilà mon jeu favori. Non. C'est vraiment fondu dans un vrai scénario, comme si vous regardiez une web-série. Alors, le but est également, pour moi, de développer ce côté cinéma. Pour moi, le but est également d'apprendre en construisant ces épisodes avec vous.
parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc si vous voulez me soutenir, vous allez voir ces vidéos et vous explosez les vues sur ces vidéos. Vous explosez les pouces, vous explosez les commentaires intéressants. Vous explosez les pouces en bas si ça vous plaît pas. Mais vous allez voir ces vidéos et vous interagissez avec si vous voulez me soutenir. Car c'est quelque chose, un format qui me tient à cœur. Et vous, je pense que vous allez le ressentir en regardant les épisodes. Vous allez ressentir que j'y mets du cœur et que j'y mets de la passion. C'est un format que je veux développer avec vous. Si je veux qu'on puisse continuer cette aventure du personnage de Pas Que Moi, continuer à construire ensemble tout ça, il faudra que vous posiez des questions dans les prochaines FAQ pour que l'on puisse faire des nouveaux épisodes et continuer justement à lui faire vivre des aventures incroyables. On peut aller très loin, il n'y a pas de limite. Et on peut construire une des premières web-séries construites par les viewers, construites par vous, pour la chaîne, pour vous, pour votre divertissement. Un truc, on peut en faire un truc incroyable. Mais pour ça, il faut aller voir les épisodes. Pour ça, il faut leur donner un petit peu de visibilité. Et il faut essayer de leur donner tout l'amour que moi j'y ai mis. Alors, on améliorera le concept. On ira plus loin dans la façon de filmer. Moi, j'ai besoin d'apprendre. Je ne suis pas cinéaste. J'ai besoin d'apprendre à tourner une scène. J'ai besoin d'apprendre à savoir comment on fait pour faire du cadrage correct, pour faire différents plans, pour comment faire une meilleure prise de son, comment faire pour faire des effets spéciaux, comment faire pour aller plus loin dans l'écriture du scénario et tout ça. Mais tout ça, je ne pourrais pas le construire sans vous. Donc, allez voir ces vidéos, regardez-les dans l'ordre, regardez-les jusqu'au bout, vous verrez qu'elles sont pas très longues. Donc ça vous prendra peu de temps, avec un peu de chance, vous allez vous régaler, et ça serait pour mon plus grand plaisir. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, si vous voulez soutenir ce projet qui me tient vraiment à cœur, alors je vous en présenterai d'autres, parce qu'il y a d'autres vidéos très intéressantes à voir sur la chaîne. Mais allez la voir, et explosez-moi tout ça. Je compte sur vous. Je vous dis à la prochaine et je vous remercie d'avance. Ciao.